Yo tout le monde, c'est Tanner. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour avoir Netflix, Spotify, Disney+, YouTube, HBO Max, Tindal, beaucoup moins cher par rapport à la normale. Donc là, un compte Netflix, comme on peut voir, c'est 3,47 € par mois. Donc c'est un compte stable, enregistrement, visionnage indépendant, d'autres définitions, livraison en temps réel, ça c'est vrai que c'est pas mal, c'est rapide. Le 4K HDR, pour une souscription, on a droit à 5 visuels. Enfin, 5 comptes du coup pour un tarif assez correct, et grâce à mon code promo, vous avez droit à 5% de remise. Donc, du coup, 5% de remise sur Netflix et Disney+. Donc, à vous de voir lequel vous préférez le plus. Généralement, les gens prennent Netflix. Donc, vous cliquez sur Netflix, acheter maintenant. Donc, là, vous prenez votre possibilité, enfin, votre choix. Donc, voilà, pour un mois, un screen, c'est 3,47 €. Pour 5 écrans, pour un mois, c'est 14,67 €. Et vous pouvez choisir du coup le prix que vous voulez. Si vous êtes seul et puis vous n'en avez pas besoin d'énormément, vous pouvez prendre le 3 mois pour un screen par exemple, ou le 1 mois. Dans le code promo, pensez bien à sélectionner, à mettre celui que je vous donne. Donc WFE8. WFE8H, vous faites appliquer, votre code promo est appliqué et vous avez économisé 5% de remise. Donc à la place de 3,47, on en est passé à 3,30. Donc ça peut faire un petit peu quelques économies. Allez au paiement. Et donc du coup, là je vous conseille de faire depuis la méthode 1, la Visa, depuis Mastercard, depuis votre carte bancaire. Vous n'avez pas de frais en plus. Là, vous avez 3% de frais. Là, c'est pareil, vous n'avez pas de frais. Donc, la méthode 3, si vous avez du Skrill, par exemple, ça peut être intéressant. Sinon, vous pouvez payer depuis AliExpress. C'est à vous de voir. Donc, à vous de voir. Et du coup, pour tester, moi, je vais vous montrer ça. Donc, je me suis mis en navigation privée. Là, voilà, c'est les profils. Gérer les profils. Donc, voilà, moi, j'ai pris le premier. Kendall, donc c'est une adresse mail générée automatiquement, je pense, et puis un mot de passe pareil généré automatiquement. Donc voilà, on a une adresse mail, un mot de passe, le compte est payé jusqu'à mars 2022. Donc c'est le Premium Ultra HD, donc vraiment pas mal. Et du coup, pour vous montrer que ça marche et puis que je veux mettre un petit court extrait, voilà ce qui est un peu plus le plus gros succès, on va prendre The Witcher par exemple, saison épisode 1, on va mettre. L'ensuite n'était pas idéal, mais la vie des propres enfants d'Aridea était en. Demain, je quitte. Donc voilà, bon, la qualité a l'air d'être pas mal, donc ça a l'air d'être bien du HD. Et puis voilà qu'on peut regarder Netflix pour pas très cher à la place de souscrire directement sur Netflix. En plus de ça, ils sont assez réactifs. Ils ont notre petite chatte ici. Ils proposent pas mal de formules. Donc voilà le nombre d'utilisateurs, le nombre de commandes, le panneau revendeur. Je sais pas trop à quoi ça consiste. Assistant après-vente. Donc vous pouvez créer un billet. C'est en français, ça c'est vrai que c'est pas mal. Bon, pas tout est en français, là le footer est encore en anglais. Abonnement. Donc voilà pour ce qu'il y a. Donc l'heure de début, l'heure de fin, le compte. Et donc voilà ce que j'ai moi actuellement. Et puis voilà, là, les abonnements cachés pour les utilisateurs VIP. Donc acheter un abonnement sur GameGo pour devenir VIP gratuitement dès maintenant. Donc voilà, bon, je sais pas, il faut peut-être un certain temps pour que moi je l'ai, je sais pas trop comment ça se passe, mais du coup c'est assez simple en fait, et on peut avoir des comptes vraiment pas très chers. Spotify, j'ai pas trop la notion des prix, mais voilà, 2,33 € par mois pour avoir, est-ce qu'il a un peu plus d'informations? Donc il est prépayé pour 12 mois, ouais. Je vais traduire, ce sera plus simple. Donc frais payés de 12 mois, ok, livraison en temps réel, ouais, parole visuelle, assistant d'après-vente, remboursement sans souci, abonnement premium privé, conserver tout, enfin oui, liste, ok, acheter un abonnement à partager dès maintenant. Donc voilà, pour 3 mois pour un écran, c'est 6,99 €, pour 6 mois un écran, et ça change pas, et puis pour 12 mois un écran, ça ne bouge pas non plus. Donc c'est Spotify Premium, donc normalement vous n'avez pas les pubs.
Donc c'est vraiment pas mal. Et puis vous êtes tranquille. 5 machines. 5 sur 5 machines à sous gratuit. Ouais. Ben ça, je sais pas trop ce que c'est. On va rejoindre la page d'accueil. Donc voilà, Disney Plus par exemple, acheter maintenant. Donc 12 mois, un écran, 29,99€. Ce qui fait du coup par mois 2,50€. Ça reste correct. Je sais pas réellement quels sont les prix pour les autres parce que je les utilise pas spécialement, donc je peux pas vous dire. Mais du coup, ça reste pas trop mal. Hein. Les tarifs ont l'air d'être pas trop mal. Là, 12 mois pour un écran, donc 29,99€. Donc on a le YouTube Premium plus le YouTube Music. Donc ça peut être pas trop mal. Déjà, rien que le Premium, c'est déjà super bien. Depuis avoir ses pubs. Tindal, par exemple, pour ceux qui ont Tesla, hop, 12 mois, un écran, 29,99€. Ça reste quand même correct. Hein, à la place de 20. Non, même pas. Donc, ouais, c'est vraiment. Moi j'ai pris que Netflix parce que j'ai besoin que de ça actuellement, mais plus tard si j'aurai besoin du coup de Disney ou de Spotify, je pense que je vais vite revenir là-dessus. Ça peut être intéressant. Donc bien sûr, n'oubliez pas mon code promo pour avoir du coup 5% de remise, c'est toujours ça en plus. Certes, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même ça en moins à débourser de son compte. Donc WFE8H, ce sera bien sûr dans la description, le petit code promo. Donc voilà, je vous dis ciao ciao et à plus pour le prochain.